Selon la finale réagie par rapport à la victoire du Real Madrid donc à la Ligue des Champions, ils ont tout de même tenu donc à les féliciter malgré donc la rivalité historique qu'il y a entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et n'empêche qu'ils entretiennent de bonnes relations parce que la plupart du temps le Real Madrid remporte des trophées parce que c'est le Real Madrid qui remporte le plus de trophées par rapport au FC Barcelone dernièrement. Donc le FC Barcelone donc est habitué maintenant à féliciter le Real Madrid et même si l'inverse se produit très très rarement maintenant. Le Real Madrid aussi à chaque fois que le FC Barcelone remporte un trophée, il les félicite quand même. Donc c'est en fait il y a une rivalité donc entre ces deux équipes-là et c'est tout à fait en fait bien de cette façon-là et voilà donc le Real Madrid ils sont imposés aujourd'hui face au Borussia Dortmund, ils sont donc champions d'Europe pour la 15e fois d'affilée donc ça commence à devenir beaucoup maintenant. Il faut que l'année prochaine un autre club remporte la Ligue des Champions surtout parce qu'on en a marre finalement parce que chaque fois c'est le Real Madrid, c'est quoi ça? Quand même, le football n'a plus de goût. Chaque fois, si chaque année, on sait qui va remporter la Ligue des Champions. Je ne pense pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va s'asseoir à regarder? Parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes scénarios. Le Real Madrid joue. Il joue tout le match. Après, voilà, 90 minutes, ils sont dominés. 95 minutes, ils mènent 2-0. Et puis, c'est fini. Le match est fini. Ils remportent le trophée. Ils remportent le match. Franchement, à un moment donné, c'est un peu pesant. Et donc, il faut que l'année prochaine, donc, Manchester City se renforce. Il faut que, oui, et qu'il rencontre donc le Real Madrid, même dès les huitièmes de finale. Les atomistes avec Kylian Mbappé présent en pointe là-bas, qu'on leur donne une fessée 4-0 à l'Etihad Stadium, même si c'est un match donc à domicile, ça va être bien quand même. Ça va être bien comme ça. Donc, on change un peu. Si le Real Madrid, regardez la deuxième équipe, non, quand même, il y a combien de Ligue des Champions d'écart entre le premier, entre celui qui a le plus de trophées, le Real Madrid, et le deuxième. Ça commence à faire trop là. 5-6 Ligue des Champions, c'est beaucoup. Non, quand même, le Real Madrid. Donc, à faire un effort, donc à laisser maintenant les autres équipes, peut-être Barcelone, au moins, avoir la chance de les rattraper un peu. Seulement, il ne faut pas qu'ils s'imposent de cette façon-là aussi. C'est trop brutal, quand même. Oh là là, c'est trop brutal.